Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Casse-Croûte. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour ce fun party découverte sur le jeu Final Exam en compagnie. Vous pouvez le lire sur votre écran du grand, du puissant, du magnifique et surtout du très sexy Edwitch. Oh là là, oui, j'adore quand tu parles comme ça. T'as vu ça, t'as vu ça. Et oh, donc, mais là, du sale. Ouais, du sale. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Parle-nous un peu de Final Exam, vas-y. Alors, Final Exam, donc c'est un jeu, bon, il est assez vieux, hein. Il doit coûter peut-être, je sais plus s'il coûte une dizaine d'euros sur... Mais de toute façon, tu mettras, hop là, moi je maîtrise le montage, ouais, tu mettras le prix comme ça, hop, en grand. De toute manière, s'ils veulent le voir, il y a le lien aussi disponible dans la description de la vidéo pour aller accéder directement à la page Steam du jeu, donc n'hésitez pas, mais je vous mettrai quand même le prix, une petite annotation. Voilà, voilà, exactement. Et puis Final, bon, concrètement, c'est un peu le même style que Head 4 Dead, c'est-à-dire que c'est 4 personnes, 4 amis en fait, qui normalement doivent se retrouver, devaient se retrouver dans une ville pour un bal de promo, c'est le truc des anciens, c'est les trucs des vieilles années, tu vois, genre où tu rencontres tous tes potes du lycée. Ouais, ouais, comment dire, une réunion après 10-20 ans d'anciens de lycée, voilà. Ouais. Voilà, en gros. Et puis, donc là, on a le choix entre 4 personnages, bon bah, je te... Voilà, hop, on va le faire en même temps, et au moins tu pourras les montrer. Donc d'abord, il y a Casey, c'est une... Attends. Voilà, config. Oui. Donc, on a Casey, voilà. Donc, qui est le personnage de Edwish, hein, toujours voilà, sexy. Voilà, exactement. C'est une danseuse street dance accomplie. Comme normalement, si t'as rien changé, il y a toujours la barre de base. Elle est bonne à peu près partout. Elle est aussi bonne au combat qu'au corps à corps et à distance. C'est-à-dire que bon, c'est le perso de base. Moi, je l'aime bien. Puis après, okay. On a le perso de Kaz, c'est Brutal Joe. C'est Bru. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est Hulk Hogan, c'est le mec qui excelle dans le combat au corps à corps, et puis après le reste, il... ensuite, on a Sean, donc c'est un mafieux, c'est quelqu'un qui adore les armes à feu, il en a fait son passe-temps. Il est beaucoup plus à l'aise à distance qu'au corps à corps. Et puis ensuite, à la fin, on a Nathan, c'est le nerd de service. Qui est en gros plus à l'aise avec les explosifs, c'est-à-dire avec les grenades ou les autres explosifs que vous débloquerez au fur et à mesure du jeu. Et voilà, c'est la petite présentation des personnages. Nice, nice. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le détail par rapport à ce qu'on va jouer, donc c'est une sorte de beat'em all, hein, si vous voulez. Et dans lequel, eh bien, on va dézinguer du zombie. Alors, du zombie classique, du zombie dog, du zombie boss, et puis très certainement d'autres. Alors là, on s'est remis un peu dans le bain parce qu'on n'avait pas joué depuis longtemps et on a décidé de faire le premier niveau. Et là, on est dans le niveau 2 avec vous pour vous montrer. Donc, on va faire l'intégralité du niveau avec vous. Maintenant, vous êtes habitué à des épisodes d'une heure. Je peux pas faire des épisodes trop courts. Donc, on est parti avec Casey, dit Dwidwish le Grand. Ouais, oh là là, visiblement, on s'est planté la dernière fois, hein, à la fin du niveau 1. Ouais, c'est parce qu'on a pris le métro et du coup, on s'était vilainement planté dans le niveau. Ouais, alors tu vois, on serait 4, bah on aurait déjà ce qu'il faut. Hop, oh là, oh là, oh les esquives. Ouais, oh, l'esquive de folie, mais il nous rattrape, hein, Hop. Vous m'aurez jamais... Ah, je brûle, je brûle. Il faudrait aussi présenter comment on se bat. Ouais, ouais, ouais. Alors tout simple, vous avez des coups classiques au corps à corps avec une arme en basique. Bon là on a la machette, mais de base c'est la batte de baseball. Ouais, ouais, là on a la machette comme le faisaient les ancêtres. Voilà. Vous avez le coup simple, c'est-à-dire vous spammez carré, du coup ça fait un combo au sol. Sinon, vous pouvez faire carré plus haut pour amener votre ennemi vers le haut. Pour ensuite le tatakai. Tatakai en l'air. Puis ensuite, vous pouvez faire classique, hein, le coup X bas pour le tatakai au sol. Pour le maraver. Vous voyez, genre les jeunes qu'on marave dans les cours de récré, mais c'est exactement la même chose. Voilà, je sens que je vais me faire incendier en disant ça. Moi non! Un peu d'humour ne fait jamais de mal. Exactement. Et puis aussi, comme vous pouvez le voir au-dessus, bon, c'est en haut à gauche, sur la zone de gaz, voilà.
En haut à gauche, il n'y a pas de souci de toute manière. Ma caméra est en haut à droite. Donc si tu veux montrer un truc en haut à droite, c'est foutu. Ah, bah en haut à gauche. Bah, en haut à gauche, vous voyez la zone de son personnage. Donc il y a bah, sa vie, son nom, ses points. Puis ensuite, il y a... bon là, c'était du fast-food. Hein, c'est du McDo. Voilà, McDo sauve, sauve la vie, les enfants. McDo, c'est beau pour la santé. Oh, tu pousses! Oh, ah, t'es mon esclave! Oui, t'as vu ça, l'esclave sexuel! Regarde, regarde, je danse pour toi! Bon, c'est ouvert, je dois continuer à pousser. Hein. Voilà, vas-y, vas-y, esclave, pousse. Bref. Le seigneur du Dwish, bien à sa place. Hein. Voilà, exactement, je suis au-dessus de tout le monde, regarde, vénérez-moi. Bon, là, je pense que. Oh là, bon, là, on va s'arrêter. Il y a la horde. Ouais, 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 il y a une horde. Il y a l'arme de corps à corps et ensuite il y a l'arme à feu. Vous pouvez utiliser en utilisant son gâchette droite. Gâchette. Bon, là on joue avec ma Xbox donc c'est RP du coup, mais pour les PS4 c'est R2. Ou voilà, vous pouvez tirer. Bon, là c'est un Uzi. Et puis après, quand vous appuyez sur RB, vous pouvez balancer un explosif. Donc là c'est une grenade qui en gros fait du nettoyage assez sympathique le nettoyage. Ouais, c'est. Ouais, les chiens ils s'accrochent au. Ils s'accrochent oui, au plafond. Oui, ils s'envolent limite pour cracher sur notre tronche. Mais putain, ils sont pas chier les fêtes. Bah, allez, c'est décroché, on bute les doggies. Voilà, c'est fait. Je te propose qu'on aille peut-être voir là-haut s'il n'y a pas quelque chose. T'es dans la merde? Ah voilà. Non, c'est bon. Non, mais c'est parce que je voyais ta vie clignoter un peu, donc je suis venu voir. Ah non, c'est parce que j'ai eu la première barre d'aptitude qui est débloquée. Alors oui, la première barre d'aptitude, c'est juste en dessous de la vie. Petite barre. Ça vous donne accès à des compétences spéciales que vous débloquerez au fur et à mesure du jeu. Après avoir amélioré vos personnages, bien évidemment. Ouais, y'a des cocktails Molotov. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'intéresse moyen, étant donné que j'ai déjà 3 grenades. Ça serait un peu con d'aller prendre un Molotov contre 3 grenades, quoi. Ouais, bon, et puis moi j'ai une zone, enfin un truc d'explosif beaucoup plus élevé. Ouais, ouais, donc tu vois, moins intéressant. Purée, on aurait pu se faire la horde avec les deux bidons à droite. Ah ouais, bah on est un peu débile. Oui, oui. T'as vu cette force herculéenne quand même. J'avoue que là, oh là là, mon personnage, il fait, oh là, qu'est-ce qu'il est beau. Autant par contre, tu vas descendre là-haut. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est bru. Maintenant ça va devenir un même. Un argument médiéval. Qu'est-ce qu'il est bru. on peut descendre. Oh putain, waouh. Ouais, tu peux te retrouver en dessous. Il y a peut-être quelque chose, hein. Peut-être aller voir un coup. Ouais, je me suis. Ouais, oh, par contre il y a des monstres. Et le mec est tranquille et détendu en mode ouais, je vous fais passer ça tranquille les gars. Bon là, y a... ouais, ah ouais, ça se trouve c'est une protection, il va peut-être tout nous faire péter. Il va décéder. Wesh le gros. Ouais, il s'est barré. C'est Obélix en fait. Wesh, le mec. Ouais carrément. Eh hey, Obélix, survient là. Enfin Obélix mais sans la force quoi. Sans la force de la potion magique. Là, voilà. Non mais il avait quand même le côté rouquin tu vois de la potion magique quand même. Y'a rien sur le dessus. Je n'ai rien trouvé honnêtement. Ok, le mec il est là en fait. Qu'est-ce que tu... Il est dans l'aération, je viens de le voir. Mais qu'est-ce qu'il branle. Mais il est parti se planquer en fait. Wow. Oh la tafie. Oh la la la. Oh quel homme courageux tu voulais dire. Oui voilà, quel homme vraiment courageux qui... Ça se voit, il a pas peur de ses. Bon, on va aller le chercher, hein. Là, il est en dessous, qu'ils me disent. Ouais, il est encore là. Tu sais, c'est vraiment pour montrer à la caméra quel grand homme. Ça, c'est l'avenir, hein, mes amis. C'est l'avenir, si vous voulez survivre. Fuyez. C'est moi qui t'as fait péter un truc. Ouais, ouais, j'ai fait péter un tonneau pour buter ces saloperies. Mais sans de là, le Klebs. Ok, c'est pas là. Hop, oui. Hop. Moi, je descends. Ah, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ça brûle.
Ça brûle, ouais. Ah ouais. Là, il y a quelque chose, je crois. À mon avis, t'es monté par là, tu sais. Ouais, mais en fait, je regarde. Oh, putain, oula, par contre, là, j'atterris dans un endroit. Je sais pas du tout. Mais. Putain, tu te fous de ma gueule, saloperie de cabot. Je te marre un peu. On va fouiller, hein. Mais ce qu'il y a. Bon, y'a rien ici. Wouah! Ma nouvelle aptitude, elle est cool. Ah ouais? Ouais, c'est limite de la téléportation en fait. Et donc là, vous vous retrouvez uniquement avec ma douce voix le temps que notre petit duduche récupère la sienne. Alors, vous voyez, les zombies sont quand même assez goûtus, hein, franchement, sexy. Je sais pas comment Duduche résiste quand il joue à ce jeu, parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est de taper dedans. Et comme il peut pas me répondre, ben, je peux l'insulter comme je veux aussi, c'est ça qui est bien. Ce silence. Ok, je suis arrivé au bon endroit, mon petit Duduche. Donc, je sais que t'es un peu loin. Allez, si t'essayes de me parler, n'oublie pas que tu as coupé ton micro. Ouh, ça pue. Je sais pas ce que c'est, mais ça pue. Regardez. Magne-toi, ok. C'est quoi? Ok, ça nous suit en plus, purée. Allez, mourez! Bon, un petit coup de heal parce que là, j'ai pris très très cher quand même. Et c'est dur, hein, là. Franchement, ça devient chaud. Je sens ma barre de vie qui baisse très très vite. Voilà, plein de morts. Merde, j'ai lancé une grenade comme un con. Ok, objectif réussi. Alors, le mec, il est monté. Je crois qu'il faut monter, hein, parce que là, on prend des dégâts pour rien. Ok, on monte, on continue. Je vais voir s'il n'y a pas un secret, un truc qui est planqué par là. Ouais, nickel. Y a un gun ici, du Dwish. Un magnum, ah oui. Allez, on les enchaîne. Ah, bah, tu l'as pas, toi, Duduche? Visiblement, non. Ah, ouais. Bon, je suis drôle. Oui, hein. Tracasse pas s'il y a un peu de bruit, hein. Je m'excuse, mais on peut pas toujours contrôler les bruits qu'il y a chez soi, et on va pas demander aux membres de nos familles de se taire, tu sais, donc il y a vraiment aucun souci, t'inquiète. Oh là, le Magnum, oh, il est sexe. Oui, hein. Bon, moi, par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai plus de life. Ah, oula, mon personnage il a rendu. Allez, on massacre tout ça. Que ce mec puisse nous ouvrir. C'est vrai, personne? Il est monté, je crois. Il est monté là, je crois. Ah. Ouais. Bah alors, gros débilix. Allez, vas-y, avance, gros débilix. Allez, c'est parti. Ouais, je croyais qu'il était roux, n'empêche, mais il est blond en fait.
Il est blond. Non, ouais. C'est son casque. T'es sûr, j'ai vu sa moustache blonde. Ah, peut-être. Allez. En parlant, les chiens, c'est le pire. Oui. Ils sont très énervants, les chiens. Là, je décroche celui d'en haut, parce que sinon, il va nous embêter. Oh putain, faut l'escorter en plus. Ouais, mais gros débilix, il sait même pas se battre. Je suis un coton-tige et je sais battre. Aïe. Bam. On dégage. Oula. Aïe, je vais mourir. Je vais mourir. Non, c'est bon, ouais. Dégage. Tiens, ouf, j'ai trouvé un peu de bouffe. Ouais, faut que je le porte. Il faut que tu le jettes. Attends, tu vois, ouais. Dans le truc. Ça va revenir, je pense. Je pense. Ouais. Attends, ouais, je vais voir. Attends, est-ce que je prends ? Ouais, ça revient. Et le gros. Ah merde. Non. Et. Ouah, boum. Oh, attends, regarde, on va faire un truc. C'est qu'on va mettre là-haut. Je vais passer là. Allez, hop là. Par contre, faudra protéger. Ouh, le boss. Le retour du boss. Le retour du boss de la première session. Là vous ferez. Ah. Allez. Là ils sont nombreux hein, quand même. J'ai plus de vie. Aïe. Ah, je meurs. Je meurs. Il ou elle bon. Bon, pour le moment, on le protège bien, je pense. Ouais. Ah merde, c'est un ennemi derrière, je croyais que c'était toi. Hop, bam. Tiens. Éclate-toi. Oh, il vient de foncer dessus. Là, on est actuellement en train de tabasser. Bam. Honnêtement, c'est chaud, hein. Ça n'a pas l'air visuellement, mais ça l'est, je vous promets. Ah oui, c'est bien chaud. Hein. Allez, recharge, on y met. Il est mort. Oui, il est mort. Là, il y a de la vie, mon petit Duduche. Il est presque bon. J'ai bien dit presque, hein, ne te relâche pas trop vite. Ah non, ça va aller. C'est oh, le mécano. Bon. Le gros mécano. On va l'appeler gros débilix. C'est gros débilix. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je peux porter les ennemis pour les balancer. Paf. Ah non, oui, maintenant c'est comme. Oui, vu que t'es assez fort, tu peux les porter. Très utile. Bon, ouais, je finis. Tu peux les balancer. Je finis le chien. C'est toujours ouais, utile, hein. Ouais, tu peux les prendre et les balancer sur d'autres ennemis, je crois. Ouais. C'est toujours ça de pris. Alors, je suis désolé, hein. Je suis pas souvent dans l'angle de la caméra, les gars. Mais, le problème, c'est que je suis revenu dans mon siège de bureau, le vieux qui me défonce les fesses. Mais c'est toujours mieux que d'avoir mal au dos à cause de. Comment dire, à cause de la chaise que j'utilisais depuis. Donc, vraiment désolé, hein, si je suis un peu bas. Oui. Hop, ça devrait aller. Hop. J'espère qu'on entend pas trop le. Ouah. Ouais, non, t'inquiète pas. Bon. Ouais. Je te marave. Avec mon. Ok. On est bon. Allez, gros débilix. Donc normalement là il va nous ouvrir la porte, on va pouvoir continuer. Ah merde, faut le protéger à nouveau. Boulet va. Il fait chier ce gros débit. Oh, ok, ça arrive. Ouais. Tant que c'est pas une horde qui nous fonce dessus, ça devrait passer. Ouais, je pense que ça va bientôt arriver. Ouais, à mon avis. Ça va, middle.
Bam. Je te patate. Mais... Bah voilà la horde. Oula. Voilà, 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 voilà. Je te tire dessus avec mon McDo. Putain, le pire c'est qu'il avance même pas. Non, 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 il se protège, hein. Il se protège. Oula. Ah oula. Oh bah ça a l'air de guérir. A mon avis, on est en train de voir comment on galère et ça rigole, ça rigole. Ça rigole sec. Ouah, je galère. Il y a trop de monde. Ah. T'as pas de grenade par hasard? Non, pas du tout. Ouais, ok, on est autant dans la merde l'un que l'autre en fait. Ouais, exactement. Ah bah c'est bon ça. Une clé. Ok. On est bon, il a repris le taf. Et là, comme je... Oh, on peut pousser à deux. Ouais, ouais. Ah, mais attends, et bon. On pousse plus vite à deux, hein, je te le dis tout de suite. Ouais, mais non, je préfère que tu me pousses. Ah, par contre, en termes de life, je suis très très bas. Ouais, moi aussi. Ah, attends, faut que je casse cette merde. Ah ouais? C'est parti. Voilà, hop. Saloperie de cabot. Allez, meurs, meurs. Hop, attends, on peut descendre là. Peut-être qu'il y a un truc là-bas, hein. Ouais, il y avait un petit truc. Mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh oui, c'est une petite boisson là. Oh oui. Tu peux me planter par la chaîne? Ah bah non, il y a le petit truc de merde. J'arrive. T'inquiète. Allez, on poursuit. J'espère quand même tomber sur de la vie, hein, parce que là, je suis quand même un peu mal. C'était pareil. Allez. Ouais, je pousse. J'ai pas à risquer mes bras frileux, là. Je suis une jeune femme, et les jeunes femmes ne se salissent pas. Voilà, c'est on a fait tout ça pour atteindre une échelle devant une porte. C'est bien connu, hein, dans les jeux vidéo. Quand tu pousses un truc, c'est toujours parce que tu risques d'être bloqué. Ah oui, ok. Attends, il faut vraiment attraper le bout de l'échelle. Ok. Ah, la porte est ouverte. Oh oh. Allez, bon. Cher gros DBX. Tu nous as fait galérer comme un... Bon, bah, il est un peu mort, hein, quand même. Ouh, ça pue. Oh là oh là, encore un effort. Ah putain, faut repousser le wagon. Ouais. Saute sur le truc. Aïe, ok, j'avais pas eu. J'avais pas vu du tout. Blablabla. Allez. On pousse. Non, j'ai pas eu le temps. Blablabla. J'ai pas eu le temps, chef. Pas grave. Allez, on pousse. Faut toujours qu'il y en a un qui... Ouais. Il faut... Comme ça, on fera plus vite le trajet. Ouais. Je pense que... Ouais. Là, on attend. Dommage que ça ne fait pas avancer le wagon tout seul, là. Ouais, c'est vrai, parce qu'on est obligé de le pousser à main. Oula. Pourquoi elle a balancé? Ah putain, pour bloquer. Enfin, ouais, pour faire le chemin en fait. Il y a un chemin en bas, il y a un chemin en haut. On va passer d'abord en bas, voir s'il y a un truc. En haut, il y a. Non, c'est en haut qu'il y a le truc. Ok, bah on va monter en haut. Puis il y a la boisson. Ok, nice. On continue. Voilà, la boisson c'est pour améliorer les caractéristiques de ton personnage. C'est les PC, les PA en fait. Yes. Oula. Oui. Venez les cleps. Voilà. À mort.
On va aller voir à droite d'abord pour voir ce qu'il y a. Alors, là il y a quelque chose. Là il y a une boisson ici. J'arrive. Ok, nickel. Et bah il y a rien d'autre. Ah, il y a rien d'autre. Allez, bam. Ok, on poursuit. Horde en approche. Oh, ouh, ça va puer. Ça va puer ça là. Ouais, ouais, ouais. Oula, oula. J'essaye de balancer les ennemis sur les autres, tu vois, comme ça les perturbe. Hop, paf, roux. Allez, bim. Allez, ça on tue les doggies. Je leur tire dessus à coup de McDo. Allez-y, mon cher. Ouais. Allez. Oula, 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 oula. Ok, 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 ça gère, ça gère. Ça gère bien, ça gère très bien même. Du côté du joueur de l'équipe franco-belge. C'est-à-dire des joueurs français. Et parmi eux, il y a un belge. Ah, tu sais, je sais pas si tu connais, c'est Saturday Man. Est-ce que tu connais? Alors, pas du tout. Alors, faut savoir que c'est une production belgo-belge faite par des amateurs, mais avec plein de youtubeurs connus, dont Fred Dugrenier. Enfin, il y a beaucoup de monde assez connu, et ils sont tous doublés par les doubleurs des années 80-90. Purée. Et c'est vraiment bien fait. Je suis tombé dessus, je me suis vraiment marré. Donc, je ne peux que vous inviter à regarder Saturday Man. Ah, on a oublié, on a loupé un objet. Ouais, 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 un seul objet. Mais c'est pas grave, hein. Nous, ça nous donnera une raison de revenir dessus. Et bah donc, du coup, pour finir cette vidéo, je te propose qu'on leur montre un peu les améliorations des personnages, vu que maintenant, on a des points pour mettre là-dedans. Bien long. Donc, au niveau des personnages, vous voyez qu'on peut améliorer les caractéristiques. En tout cas, moi, c'est la seule chose que je peux améliorer, mais je peux aussi améliorer les aptitudes. Alors, au niveau des caractéristiques, je vais améliorer un peu ma force. Voilà. Et au niveau des aptitudes, bah, vous voyez, on a un arbre de talent, en fait. Mais j'ai pas de poids. Voilà, ça. Ah. Mais c'est pas grave, hein, ça. C'est vraiment pas grave. Donc, voilà. Bah, en tout cas, 30 minutes pour l'épisode. Je trouve que c'est plutôt pas mal, mon petit Dudwish. Et puis, s'ils aiment bien, on pourra refaire un nouvel épisode à l'avenir, parce que je me suis vraiment bien amusé. Mais oui, et puis il y a, comme ils pourront le voir, il y a 8 niveaux et ils sont tous un peu aussi durs les uns que les autres. Et puis on peut le refaire en difficulté beaucoup plus élevée. Ouais, exactement, exactement. Donc à vous maintenant de faire vivre ce qui n'était qu'un petit fun party découverte et qui deviendrait un vrai fun party. D'autant plus que je sais pas si d'autres de notre équipe possèdent le jeu, mais ça pourrait être sympa si d'autres pouvaient l'avoir. Donc de se le faire avec. D'encore plus rouler sur les zombies. Ouais, ouais, bah pouvoir monter la difficulté et s'amuser à 3 ou 4 hein, en fonction de qui aurait le jeu. En attendant, eh bien, je ne peux que te remercier, mon petit Dudwish, pour ce moment fun, hein, parce que c'est quand même le nom de l'émission. Bah, y a pas de souci, merci à toi. Mais c'est toujours un plaisir, moi, d'être en ta compagnie. Et puis, on se retrouve vendredi dans la soirée, donc vers 20h. Pour le vendredi c'est gaming, peut-être une vidéo vendredi dans l'après-midi, je ne sais pas encore. Et puis vivement dimanche pour le JDR, enfin le moment JDR que j'attends impatiemment toutes les semaines moi pour pouvoir vous le faire. Donc voilou voilou, donc plein de gros bisous à toi mon Dudwish. Plein de gros bisous à toi, plein de gros bisous à vous. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.